Hey, salut à tous, salut à toutes, c'est DRK36 pour le 11e épisode du Let's Play sur Banished. Je vous remercie pour vos commentaires, retours positifs, et puis pour les conseils que vous me donnez là. D'ailleurs, à propos de conseils, ici on voit pas très très bien, mais mince, je voulais montrer, j'ai construit des charrettes. Je savais même pas que ça existait, des chariotes en fait, je crois qu'ils disent même dans le jeu. Donc j'en ai déposé là, à côté des forges, des chariots de fer pour qu'ils ramènent plus de fer. Je sais pas exactement comment ça marche, mais là je vois qu'il y a des charrettes qui se bougent à gauche à droite, ou des chariots. Je sais pas si c'est ça, aucune idée. On va voir si ça m'améliore la production d'outils. En tout cas là, c'est plus tellement un souci. Ce qu'il me faudrait, c'est du bois. Alors on m'a dit que les forestiers, c'était pas une très bonne idée, qu'il fallait défricher, mais c'est pas non plus une solution extrêmement durable. Alors j'ai de la place, hein, je peux me faire plaisir pour l'instant. Mais à la longue, je me demande si c'est vraiment très 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 bon de faire comme ça. Question ouverte, hein, je vous laisse voir. Oui, des fermes, j'ai beaucoup de gens, c'est vrai que moi j'avais l'impression que 20 sur 34 ça couvrait ce qu'il fallait pour la production, mais visiblement c'est comme pour tous les autres, si je vais jusqu'à 34, bah, ça augmentera forcément le rendement. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire, je vais arrêter de construire des champs à foison. C'est vrai qu'il y en a pas mal, vu le nombre d'habitants que j'ai ici. Et puis, je mettrai de plus en plus de fermiers dedans pour atteindre le chiffre de 34. Donc, 6 travailleurs, 4 bâtisseurs pour l'instant. J'ai 111 adultes, 12 étudiants, 21 enfants. Donc, le premier palier est atteint pour moi, celui que je m'étais auto-fixé à 100. Maintenant, j'aimerais évidemment atteindre 300 et puis diversifier l'artisanat. Et notamment, pas faire trop l'imbécile dans ce que je commande au niveau du comptoir commercial. Et puis, prendre des graines de mûrier blanc pour... embrayé avec l'élevage de vers à soie. Alors, mince, je me rends compte que j'ai pas trop lu sur comment quoi et qu'est-ce qu'il fallait faire. Donc là, oui, je pense qu'il lui faut du mûrier blanc. Donc ça sert à rien que je le fasse marcher maintenant, en fait. Il produit des cocons de soie, des vers à soie ou des œufs de vers à soie. Ah ouais, ça, c'est pour ça qu'il faut des feuilles de mûrier. Est-ce qu'il peut faire des vers à soie, tout coup, comme ça? On va laisser tourner, on va voir. Faudra que je dise pour la prochaine fois. Ou que vous le fassiez pour moi et que vous me disiez, ça sera encore plus cool évidemment. Donc niveau ressources de base, bois de chauffage ça va, le bois aussi, donc effectivement vous aviez raison. Il fallait que je tape dedans pour relancer la production, que je tape dedans c'est-à-dire dans les ressources naturelles. On va continuer à faire, oups là, un peu moins fort, comme ça dans la zone. Je vais défricher tout ça, ça me laissera de l'avance, mais je reste quand même assez persuadé que c'est pas une excellente technique. Là je vais prendre du fer aussi. Il y a le bateau qui est arrivé, je viens de voir du coin de l'œil. Là j'avais déjà tout récolté. Faudrait que je me mette un peu plus loin carrément. Et puis que je relance peut-être ma mine bientôt, parce que du fer j'en ai pas beaucoup. Alors qu'est-ce qui nous amène? Des poires, du bambou, d'ananas. Ça me dit rien du tout hein, dans tout ce qu'il a. Commande spéciale, on va en faire une ou deux. Voir si on a des graines par exemple, des feuilles de mûrier. C'est déjà ça, hein. Je crois qu'on va en demander. Donc pas plus de 3 ou 4. Tac, pas grand chose d'autre qui m'intéresse. Bah écoutez, on va laisser partir et puis on lui a fait une commande spéciale, on verra. Je crois qu'il y a plusieurs bateaux différents, si j'ai bien compris également. Et qui se relaient tous les mois, ça dépend. Ah, maintenant. Ah voilà, les chariots sont terminés. Ça m'a coûté, je crois, pas mal en bois. 40 à chaque fois. Et ah oui, il faut que j'attribue quelqu'un. Voilà. Bon, j'en ai deux en fer maintenant. Super. Et j'ai plus de travailleurs dispo. Je vais enlever deux bâtisseurs. Bon. Je crois que je peux aller un tout petit peu plus vite. J'ai quelques adultes qui sont morts. C'est pour ça. J'avais pas vu. Là, c'est noté. 14 étudiants. 109 adultes, on est en vitesse x10, ça roule, la nourriture c'est bon, juste un petit peu short au niveau du fer là, j'ai assez d'outils mais ça va pas tarder à descendre, mais les gens ne se plaignent de rien, j'ai pas eu de calamité depuis un épisode, ce qui est pas mal, donc youpila quoi, moi j'ai envie de vous dire. Ah oui, au fait, cette semaine donc il y aura qu'un seul épisode, j'ai eu pas mal d'imprévus, à gauche à droite, 2-3 soucis de santé, donc je vais voir pour la chaîne comment je vais faire pour assurer les 5 vidéos, mais ça sera probablement pas possible, donc j'irai dans ma promesse inférieure, c'est-à-dire à 3, entre 3 et 4 par semaine, pour probablement les 2 prochaines semaines, on verra. Parce qu'il y a aussi les épisodes de Payday, et puis je vais pas me mettre à poster 2 vidéos par jour, sinon ça va devenir un rythme infernal, et puis je vais vous noyer sous une quantité de vidéos plus ou moins intéressantes, et c'est pas vraiment le but. Ceci étant dit,
les choses continuent à avancer gentiment. J'attends de voir où j'en suis au niveau des différents équilibres avant de me lancer à gauche à droite. J'aimerais bien voir ce qui se passe avec car j'ai pas d'alcool évidemment, avec la soie. C'est ma première étape vers de l'artisanat un peu plus raffiné. Bon, ça se maintient, ça stagne. Il y avait une nette progression là dans les 5 années, il y a 10 ans en arrière, mais les 5 dernières, ça stagne. Mais ça reflète les différents coups durs que j'ai pu avoir. Voilà, j'ai l'éducation qui monte. On a 1 sur 4 qui est éduqué maintenant. Ça va continuer à monter au fur et à mesure que les vieux meurent et que les jeunes éduqués arrivent. La nourriture, on est bon. Hein, petit blocage. Le bois brut, ça va. La pierre, ça va bien. Le fer, c'est la caca. Combustible, bon, bah c'est l'hiver, ça redescend. J'en ai relativement assez. Le charbon, ok, ça monte toujours, mais je prends où du charbon, moi? Parce que là, j'ai une mine fermée, j'ai l'autre mine qui est fermée. Non, j'ai pas d'autres endroits où il y aurait du charbon, à mon avis. Bon, je comprends pas pourquoi ça monte. Bizarre. Ah, parce que j'en prends aussi dans la forêt, ce ferreur, peut-être, si ça se trouve. Les outils, bah c'est bon. Problème réglé pour l'instant. Médicinale, j'ai tout ce qu'il faut. Vêtements, ouais, ça va. Donc pas mal. Comme vous me le disiez, les bases ont l'air d'être posées. Maintenant, on va voir comment ça se stabilise. Ah, j'ai un nouveau bateau qui est arrivé. Graines de canne à sucre et de laitue. Je vais juste aller un peu moins vite. Alors une graine c'est 4000, alors combien je peux balancer moi si je mets tout? C'est comme ça que je fais pour regarder. Pourquoi j'ai du bois dur? Trop l'idée. Bref. 300 de cire et les bougies que vous m'aviez conseillé qui sont à 8. Donc je peux arriver à 1600. C'est tout ce que je peux faire. Quelle horreur. Donc je vais devoir laisser partir ça. Caca, prout. Bon. Qu'est-ce qu'il y a comme autre graine là qui me... Cotonnier, ça peut... Le lin pour faire des habits, c'est bien ça. La vigne, du vin, oulala, oui. Le chanvre pour les cordes. Pêcher, poirier, prunier, cognacier, sorgho, j'ai déjà tout ça. Allez, j'en prends une dernière. Allez, du blé pour le pain et tout ça, c'est parti. Et maintenant que je vois ça, il me semble que j'ai laissé sur jamais la dernière fois, je l'ai pas changé. Félicitations, encore une belle réussite de DRK, on applaudit tous. Et c'est parti, je dois lui dire de partir. Voilà. Par contre, ce que je vais voir dans mon inventaire, est-ce que je vais peut-être pas mettre plus de meubles? Ah oui, j'ai mis jusqu'à 110, mais c'est pas rempli. Les bougies jusqu'à 100, bah voilà. Pour l'instant, j'ai rien à proposer. En tout cas, ça me coûte trop cher. On va réaccélérer d'ailleurs le temps, on est en vitesse x1, ça va pas le faire. Nourriture, on est bien, le bois aussi, on passe en x10. Ok. 105 adultes, ça me fait un petit peu dire qu'il faudra peut-être que je fasse des maisons pour les enfants là. Pierre, j'ai tout ce qu'il faut, on va faire des maisons en pierre. Alors, on va mettre une qui regarde dans ce sens. Mince, voilà. Je zoome un petit peu. Allez, j'en fais 4. Soyons fous. Pour pas dire con, non, non, ça va. Au niveau du bois, ça ramasse. Ah oui, puis mes travailleurs, j'en ai plus qu'un. Ouais. À cette école, hein, ça me les fait rester longtemps, les enfants, là. J'ai plus beaucoup de travailleurs. 19 sur 34 fermiers, forestiers. Ouais. Et ben voilà. Je vais mettre un bâtisseur là-bas. Qu'est-ce que j'ai à construire? J'avais construit une grange ici. Oui, effectivement. Alors ça, c'est bien pour la nourriture, mais pour stocker du bois, c'est pas une excellente idée. C'était un stockpile qu'il faut faire, donc en français. Comment on dit déjà en français stockpile? Oh, j'ai oublié. C'est tout bêtement ça, hein, zone de stockage. Zone de stockage pour tout, on va en faire une là. Ok, donc vous allez me défricher encore tout ça. L'économie de Big Force le demande. Allez, coupez-moi tout ce bordel. Ah, un travailleur, je dis vous. En fait, toi Polo, là. Toi, Charles, allez. Tu vas me défricher tout ce bordel à toi tout seul. La famille Gals t'attend. L'hiver va être rude. Ok,
Bon, bah un bâtisseur, quatre maisons, tout va bien. Ah là là, j'ai presque envie de fermer l'école, hein, pour être franc. Bon, allez, on serre les fesses. Là, j'ai deux travailleurs. Je mets en vitesse fois 10. C'est bon. Comme c'est de nouveau un petit peu un ventre mou, je crois, je vais laisser passer peut-être une petite année en ellipse. Et puis, je vous retrouve droit derrière. Alors, on se reprend maintenant. Il s'est passé à peu près une petite année. J'étais en train de regarder différentes choses, notamment là pour les vers à soie. Je crois qu'il me faut, bah, les feuilles de mûrier pour que j'aille des œufs. Parce que des œufs, j'en ai pas, à moins que j'en ai dans mon inventaire. J'en ai chopé un moment ou un autre, mais il me semble pas. Inventaire. Oui, non, j'en ai pas des œufs de vers à soie. J'en ai peut-être eu, mais j'en ai plus. Donc voilà, ça on verra un peu plus tard. Du coup, je vais enlever le travailleur. Voilà. Il s'est pas passé grand chose, j'ai simplement vu que j'avais un tout petit peu plus d'enfants, j'ai plus de travailleurs, maintenant ils sont 9, les ressources de base ça se maintient comme il faut. Donc maintenant il faudrait que j'aille un petit peu plus de quoi échanger ici, et puis je vais essayer de faire allez, l'auberge du poney fringant. Diverses boissons, oui, alcoolisées, je crois qu'avec les prunes, là du coup je pourrais faire quelque chose. On va voir, on va essayer de. Si je me mets comme ça. Je sais pas trop les routes si elles sont utiles. Je dois faire tout traverser. On va même faire avec de la pierre, soyons fous. D'ailleurs, j'ai un peu enlevé de travailleurs à la mine de pierre, vu que j'en avais pas mal. Donc là, je vois que je peux traverser. Bon. On va voir ce que ça donne. Je sais pas si ça va me faire beaucoup d'argent, mais. Pour le bois, le bois, le bois. Je vais juste voir ce qui a été récolté ici. Ça, le bois dur, je vais le virer. J'en ai besoin pour en construire. Ouais. Pour construire donc des meubles. Meubles raffinés. Ouais, ça monte gentiment. Des bougies aussi. Ok. J'ai encore vérifié. Désolé, j'aurais peut-être pu faire ça pendant la pause, remarquez. Là, je suis en vitesse x2, on va se mettre en x5. Vérifier ce que j'ai à fond. Ouais, de la cire d'abeille, je pourrais en vendre un peu plus. Du sable. Betterave. Ouais. Ce qui se vend le plus cher, c'est les produits finis. Manteau de cuir. Ouais. Pas terrible, hein, ce que j'ai à vendre. Peut-être je pourrais me permettre de me séparer d'un peu plus de cire d'abeille, mais ça vaut 1, sauf erreur. Donc on va se mettre à. Je sais pas, allez. 800. Allez. Ça, c'est parti. Et vitesse x10. Je vais peut-être pas faire plus de maisons d'un coup. Là, c'est pas mal. D'ailleurs, je pourrais avoir des nomades, là, une fois. Je sais que c'est aléatoire, mais là, c'est genre jamais, quoi. Je l'avais déjà dit, mais dans mes autres parties, j'avais des nomades bien plus vite que ça. Bon. Là, je peux pas construire. Il y a du relief. On va mettre en face. Je vais faire deux maisons en plus. Voilà, stop, on se calme. Ah tiens, on va voir un petit peu plus près. Ça bosse le sorgho, là j'ai les prunes. Tout ce petit monde qui s'agite. Le cimetière d'ailleurs. 29 sur 32 tombes. Ça doit se relayer parfois, là, parce que ça fait depuis le début que j'ai le cimetière. Là on est en train de construire les routes. Et puis l'auberge du poney fringant est à 40%, pour ainsi dire. Parfait, parfait, parfait. Qu'est-ce qu'on va voir qui pourrait être intéressant? Culte. Oh. Ouais, ils ont un bon moral et tout. Je vais peut-être pas trop aller. Ouais, peut-être un hôpital si jamais j'ai une nouvelle connerie. J'ai plus beaucoup de bois. J'ai 9 travailleurs, donc je vais leur dire d'aller me raser tout ça. Je vais le mettre en priorité. Normalement, j'avais déjà dit ici, mais. Allez. Tout ça, hop. Voilà. On a priorisé toute la zone. Donc je me disais un hôpital paré aux épidémies. Ça demande de la ressource, hein. Ça demande pas mal de ressources. Ouais, je ne la sens pas trop. Ah oui, les fibres, alors ouais, si j'ai du lin ou du coton ou des moutons pour la laine, du chanvre, mais je peux rien faire de tout ça pour l'instant. Scierie. Ah oui, ça peut être important pour la construction, mais ça demande beaucoup de bois, j'en ai pas. Ouh, un petit marchand. Allez, j'espère que tu nous as amené des trucs sympas.
Ouais, y a de la bouffe, hein. Je dis pas que c'est mauvais, mais... Ah, des verres à soie. Tiens, on va en prendre. On va prendre les 20. Bah, ça coûte 20. Donc, du coup, je vais mettre 20 de cire d'abeille. Voilà, on échange. Et la prochaine fois, tu nous ramènes des vermisseaux, là. Et puis, est-ce qu'il y a autre chose de sympa? Non. Huile végétale, des moules. Ouais, non, il n'y a rien d'autre qui me dit comme ça. Enfin, vous me dites s'il y a des matières premières intéressantes que j'aurais loupées. Ok, alors les verres à soie. Si on a des verres à soie, on va remettre quelqu'un ici. Il va produire des œufs. Non, il faut des cocons. On va voir si ça marche comme ça. Ouais, on va voir. Pour l'instant, il n'y a pas. Ah, tiens. On va mettre quelqu'un open et fringant. Ah, il produit pas d'alcool. Merde. Je croyais que ça allait produire. Ah, mais c'est. Oui? C'était là ou pas? Ou est-ce que c'est dans l'abbaye? Ça, c'est pour la bière, peut-être. Non. Production de ressources luxueuses. Auberge du Prenet est également le principal lieu de stockage. Et des produits dérivés du tabac. Brasserie, exploitation vinicole, distillerie. Il me faut 12 cordes que j'ai pas. Séchoir. Sécher le tabac. Mais le tabac, j'ai pas. Bon. J'ai peut-être fait un fail là. On va voir. Si j'ai pas d'alcool, il y a peut-être personne qui va venir. On verra. Avec quoi je peux faire de l'alcool, hein? Normalement, c'est la distillerie. Hein? On est d'accord. Non, ça, c'est les décos. Là, on a déjà tout vu. Là, on peut pas faire de l'alcool. Poterie, chantier naval. Enfin, d'ailleurs, pour la poterie, il me faudra des briques et des briques. Le cirier, ça j'ai déjà fait. La lapiderie, bah, il faut aussi des briques. La verrerie, les verriers, ouais, d'accord. Atelier de conditionnement, fonderie, atelier de sculpture. Fosse de sillage. Mince. Où est-ce qu'on fait des briques? Réduction de ressources. Ça, c'est pour la cabane de rivage pour le sable. Exploitation minière alluviale. Métaux précieux. Les carrières, les mines. Écoutez. Je fais une petite ellipse maintenant, je regarde parce que ça m'énerve, et puis je vais pas vous laisser regarder à chaque fois puis m'apprendre la vie, hein. Google est mon ami, je reviens dans un instant. Alors on se reprend maintenant. Je suis allé vite sur Google, j'ai pas tout de suite trouvé, puis après je me suis dit c'est pas possible, hein. Donc j'ai ouvert les chaînes de production, donc il y a bien une briqueterie. Je me suis calmé 30 secondes et je l'ai trouvé. Attendez, je la trouve plus maintenant. Voilà, ici, briqueterie. Donc 60 de sable, on va faire une briqueterie, parce que ça va être utile pour construire des éléments d'artisanat avancés, en tout cas les différents ateliers. Allez, on va la faire ici à côté de la carrière, pourquoi pas. 3 travailleurs, 2 bâtisseurs, c'est parfait, on y va, enfin c'est parfait, ça pourrait être beaucoup mieux. J'attends que tous ces braves enfants sortent de l'école, puis maintenant que j'en ai 20 et que c'est la capacité maximale de mon école, je pense que tout le surplus ira directement bosser, comme tout le monde. Donc je suis à 108 adultes, ce qui est légèrement moins que depuis le début de l'épisode. Mais beaucoup plus d'enfants, la relève est là, et puis ça c'est parce que j'ai fait 4 ou 5 maisons. C'est toujours vide l'auberge de Prenet Fringant. Faut dire que si on y sert des bonnes carafes d'eau, c'est pas super sympa. Ça donne pas une chienne envie. Alors il me faut du fer, et du fer j'en ai pas. Ah, ça me démange de rouvrir cette mine. Hein. Est-ce que là... Il y a du fer à récolter dans le coin. Ouais, il y en a. Ça lag. J'espère que ça se verra pas sur la vidéo. Je ne sais pas pourquoi. Ok. Bon, 7 travailleurs. J'ai vraiment pas beaucoup de fer, les gars. Hein. M'en fous. Allez. J'en mets 4 dedans. Pour du fer. La quantité de bois brut en réserve est très faible. Bah ouais, bah oui, bah voilà. Ouh là là, du coup j'ai plus beaucoup de travailleurs.
Je sais plus quoi faire. Mince, c'est pas ça que je voulais faire, c'est ça. On en met juste deux, j'ai un peu plus de travailleurs. Il faut qu'ils prennent le bois. Bah écoutez, on va pas s'emmerder. Non pas que je m'emmerde très souvent, mais... Allez, hop, tout ça. Voilà. Ok. Et puis d'ailleurs, on ouvre à soi. C'est pas là. C'est là. Il se passe rien. Cocon de soie. Rien produit du tout. Mais là, pourtant, il n'y a plus le... Le petit icône de genre ça va pas. Bizarre. Est-ce qu'on arrive à voir s'il se passe quelque chose? Bof. Non, là c'est. Matériel nécessaire pour pousser le travail n'est pas disponible. Feuille de mûrier, je sais que j'ai pas. Bon, je sais pas, je mets vers à soi, mais j'ai l'impression que ça sert juste à rien. Ça a disparu, mais juste le temps qu'il se rende compte qu'il peut plus rien faire. Voilà, super. Bon. Il y a un truc que j'ai pas... Oh, le petit bateau. Un peu moins vite. Et puis, après qu'on ait vu ce qu'il a à nous offrir ou pas, ça sera la fin de l'épisode. Donc, du tissu et des œufs de verre à soie. Il y en a beaucoup. On va prendre plein d'œufs. Peut-être que c'est la clé. Avec... est-ce que j'ai assez? Alors, les bougies. J'en ai 100, donc ça fera 800. Peut-être en prendre moins. On va en prendre 80. Des fois que j'ai des graines intéressantes un peu plus tard. Allez, on échange ça. On verra. Et je vais lire un tout petit peu plus sur cette histoire de soie où vous posterez vos commentaires. Évidemment, je vais essayer de choper cette feuille de mûrier, enfin du mûrier. Et puis avec ça, on pourra faire des jolies choses. Alors voilà, c'était DRK36 sur Banished. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, soirée ou nuit. Et je vous dis à très bientôt. Ciao !